Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo pour ma routine anti-déprime. Alors, par anti-déprime, j'entends quand on est déprimé, quand on n'a pas envie de sortir de chez soi, quand on n'est pas motivé, quand on a la flemme. Et je vais vous montrer un peu ce que je fais, moi, ces jours de flemme et ces jours de déprime. Alors, tout d'abord, je viens sortir du lit, bien évidemment, parce qu'il ne faut pas rester dans son lit. Je viens ouvrir grand les fenêtres et je viens aérer la pièce pour que le soleil passe et rentre et me réveille un peu. Ensuite, je vais venir ranger un peu ma chambre. Alors, pas ranger, j'entends pas le grand ménage, mais vraiment très rapidement, par exemple ma coiffeuse, ma commode, etc. Histoire de voir un peu plus clair dans la pièce et au niveau de mon champ de vision. Ensuite, je vais venir passer sous la douche et je vais utiliser seulement des produits assez cocooning qui me donnent envie et qui me donnent envie de prendre soin de moi. Alors, je commence par le Coco Glow de chez Hello Body que j'ai reçu de la marque. En fait, c'est un gommage à base de marc de café et d'huile végétale qui sent vraiment super bon, qui donne envie de l'utiliser vraiment. Et donc, je vais venir l'utiliser sur tout mon corps. Ce gommage gomme vraiment, vraiment, vraiment super bien. Par contre, il laisse une très fine pellicule d'hydratation, ce que je n'apprécie pas. Donc, je vais venir utiliser mon gel douche de chez The Body Shop. C'est la nouvelle senteur spéciale pour Noël. C'est la Frosted Berries qui sent vraiment la fraise pour moi. Et je ne l'avais pas encore utilisé. J'avais juste senti parce que je l'avais eu pendant une soirée présentation. Et vraiment, je trouve qu'il sent vraiment très, très bon. Les senteurs de Noël, elles sont excellentes. Après ça, je vais venir m'occuper de mon visage, je vais venir utiliser le Neutrogena Visibly Clear. C'est un gommage que j'utilise à peu près une à deux fois par semaine. Et après ça, je vais venir utiliser les masques de chez L'Oréal, donc le masque purifiant, le masque lissant et le masque détox qui sont vraiment excellents et ça vous donne vraiment une sensation de pureté, de fraîcheur et surtout, surtout, ça vous fait énormément de bien je trouve. Je ne faillis jamais à ce que j'utilise matin et soir, bien évidemment, je vous en ai déjà parlé énormément de fois, c'est l'eau micellaire purifiante de chez Fizz, de chez Aderma dans la gamme Fizz AC que j'aime énormément, je l'utilise matin et soir. Et après ça, j'ai utilisé une crème de chez Kiehl's que j'utilisais pour la première fois parce que j'avais envie d'avoir vraiment une crème très très riche, j'avais énormément mal au visage, j'avais la peau très sèche et donc j'utilisais la Ultra Facial Cream de chez Kiehl's que j'ai en petit format et que je vais continuer d'utiliser surtout pour la nuit parce que je trouve qu'elle est vraiment très 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 bien. Je viens m'hydrater le corps avec le beurre corporel douceur de chez The Body Shop à la senteur Vanilla Chai qui est une senteur pour Noël qui est vraiment excellente, qui est hyper douce, qui est pas du tout ni sucrée, ni fleurie, ni rien du tout. C'est vraiment très très doux comme odeur et c'est vraiment très agréable sur la peau. Ne me jugez pas, alors là c'est vraiment le moment détente, le moment que j'aime le plus faire dans ma vie et quand je le fais je me sens vraiment bien, c'est faire des swatchs de mes rouges à lèvres. Ne me jugez pas, c'est vraiment ce que je fais pour me sentir bien, ça me détend, ça me rend heureuse de voir toutes ces couleurs, je me sens tout simplement bien, voilà, c'est vraiment une routine anti-déprime et là pour le coup ça me rend bien, ça m'enlève cette déprime que je peux avoir ou cette flemme que je peux avoir et j'aime tester mes rouges à lèvres sur la main, c'est tout. Moment également de bonheur, la nourriture. Donc là je me bois, enfin, je mange des gâteaux, des bonbons, des chips, je bois un peu d'eau, je bois du jus, enfin voilà, c'est vraiment, mais vraiment le moment le plus what the fuck de bouffe qui puisse arriver dans la journée. Les drasibus noirs. Ça, c'est la vie. Voilà pour ma routine anti-déprime. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Bien évidemment, je n'ai pas montré tout ce que je faisais pour me détendre parce que je peux faire énormément de choses à la fois et en même temps rien du tout. Donc ça dépend vraiment, mais là, c'est un peu la journée type, on va dire. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.